Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Je fais une petite vidéo, alors vraiment technique, rien à voir avec le trading, mais vu que j'ai pas mal de personnes que je connais qui ont eu des soucis, moi le premier, il n'y a pas longtemps, il y a eu une mise à jour Windows. Et peut-être que certains d'entre vous ont des problèmes de micro suite à cette mise à jour. Alors il faut savoir que dans cette mise à jour, ça désactive le micro sur les applications. Donc il faut le réactiver. Donc je vais vous montrer comment faire. En fin de compte, c'est très simple. On a eu le cas ce matin avec deux personnes hein, qui étaient sur Discord avec moi. Donc c'est pour ça que je décide de faire cette petite vidéo. En fait, ça pourra peut-être aider voilà, des gens qui ont le même souci. Donc, manipulation. On va dans démarrer. On va dans paramètres. Hop là, jamais la fenêtre paramètres ici. Dans les paramètres, vous allez dans confidentialité. Et là, vous choisissez microphone. Et vous allez voir que par défaut, ici, c'est désactivé depuis la mise à jour. Donc, soyez sûr que en dessous microphone, autoriser l'accès au micro sur cet appareil soit bien activé. Hein, l'accès au micro pour cet appareil est activé. Sinon, vous faites modifier et vous l'activez. Et que ici aussi, autoriser les applications à accéder à votre micro, que ce soit bien activé. Et normalement, vous n'aurez plus de problème. Voilà les amis, c'était très court, mais je pense assez utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis on se reverra dans quelques temps. Je suis en train de préparer deux, trois choses. Donc on vous annoncera aussi le webinaire pour la dernière formation de novembre avec Jean-Marc. Je pense fin septembre, début octobre. Voilà. Mais sinon, on se reverra pour d'autres choses d'ici là, dans quelques jours. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!